sketch que j'ai adoré, parce que je connais bien la victime, si je puis dire, c'est le sketch sur la cuisine avec l'émission de Joël Robuchon. Là, je dois dire qu'il m'a cueilli, je ne connaissais pas du tout ce sketch. Et c'est absolument hilarant, c'est très drôle, c'est parfaitement observé. Et en plus, l'écriture est singulièrement très bonne. Et bon appétit, bien sûr. C'est la classe. Arrivederci. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Je craque déjà. Au revoir. Et bon appétit, bien sûr. Amis des arts culinaires, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne thématique de la culture culinaire. Bon appétit, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons, en compagnie d'un grand chef cuisinier spécialiste des petites gâteries culinaires, vous donner la recette des petites cailles fourrées à la purée de boudin noir sur leur lit de gaufre. Mais avant de commencer, je dois toujours me capoter le melon. Jean-Pierre, bonjour, tu es chef créole. Quels sont les préliminaires ? Il faut donc choisir de belles petites cailles, pour en profiter au moins d'une par personne. Délicatement, déplumez les caillettes, fistez les pattes et beurrez les moules. À gaufre, bien sûr, à gaufre. Hein. Badigeonnez-les de votre pinceau préalablement trempé dans de la matière grasse. Et enfournez les caillettes pour bien les faire transpirer. Car il faut bien les faire suer. Hein. Alors Jean-Pierre, il commence à faire très chaud sur le plateau. D'ailleurs, tiens, je me décapote le petit rond. Alors, Jean-Pierre, c'est maintenant que tu déballes ton boudin noir. Car il ne faut pas qu'il soit trop mou. Pendant ce temps, faites bouillir la marmite. De patates, bien sûr, hein. Qui serviront pour votre purée. Les patates étant cuites, déposez votre boudin noir entre deux petites patates tremolites et malaxez énergiquement votre manche. De cuillère, bien sûr, hein, de cuillère. Hein. Côté four, les caillettes sont déjà très chaudes. Et mouillent dans leur jus. C'est le moment de les fourrer de votre purée. Délicatement. Pour ne pas qu'elles éclatent, bien sûr. Déposez les caillettes encore toutes frémissantes sur leur lit de gaufre. Je vous conseille de soigner les présentations en lâchant quelques gousses, d'échalotes grillées autour de l'assiette, et pourquoi pas, sur leur lit. Je sens qu'il y en a qui vont passer à la casserole ce soir.
Alors Jean-Pierre, une question que tous nos convives se posent, quel est le prix de ce plat? Tu as raison de le préciser, ce plat convient à toutes les bourses. Demain, vendredi, jour du poisson, j'inviterai le chef de la célèbre auberge Les Trois Petits Cochons, qui, sous la houppette de Roman Polanski, nous apprendra comment déguster une jeune raie bien fraîche. Voilà, la sauce béchamel, bien sûr. Voilà, il ne me reste plus qu'à nous quitter et à vous souhaiter un bon appétit, bien sûr.